Et plop les gens, bienvenue dans ce quatrième épisode, et oui j'ai bien dit quatrième épisode, le troisième est sur la chaîne des Jeux du Cygne, où on a fait la mission Lion, The Lion and the Fox, s'est battu contre les Asiatiques. Donc là on continue, c'est vrai que j'ai pas fait le dernier succès, mais on verra. Pour le moment, je suis pas restreint niveau sort, plus que ça. Donc on va avancer. Donc Sacramentum Gladiatorum, c'est un siège. Ouais, c'est ouais. Bon, j'avoue, j'ai pas envie de vous traduire. J'ai la fatigue et la flemme un peu. Alors oui, mais notre weakness, c'est pas censé être notre héros. Oui, il faut entourer les ennemis pour en faire plus de dégâts. Oui. Oui. D'accord. D'accord, donc je n'ai qu'une brute, le 6h. D'accord. C'est ça que je comprenais pas spécialement avant. Et donc le 6h, Heracles Cloak. Donc la peau de. La peau, la veste d'Héracle. On dirait qu'il n'y aura plus de Hakuna Matata pour toi, Lion Némien, Némésis, je sais pas. Le héros entre en mode de rage quand il a plus beaucoup de vie. Alors la catapulte, par exemple, ici, je la vois moins vu qu'on est en train d'avancer. Par contre, les flèches ont l'air beaucoup plus indiquées. Il faut tuer tous les ennemis et il faut pas mourir, oui. Alors la caméra, vraiment. Je me suis dit vas-y, j'essaye, mais non, non. Et même là, ils ont soigné le fait que il arrive pas de nulle part le héros, le soldat. Par contre, ça, c'est faut arrêter, messieurs dames. Hein. Donc les 6 ors, ils vont ils chargent une attaque dévastatrice après quelques secondes hors combat et savoir si c'est bon. Faut voir que ses armes brillent. Oula. Ah non, ça c'est des alliés, je pense. Je comprends mieux l'appellation Caesar. Le dernier est tombé. J'étais en mode de battre contre cela, ça va être compliqué, mais en fait. Je n'avais donc pas vu le héros. Yes,
Il suffit que vous avanciez tous. Laissez-vous passer les uns les autres. Il y en a toujours un qui a son pouvoir. Que je voulais. Faites place à l'impérateur. À l'empereur. J'ai toujours dit impérateur, mais. Je pense que c'est empereur. Les Scizors sont des vraies bêtes. Ah. Il faut empêcher qu'ils se poussent les uns les autres. Très bien, à la queue le. Sachant qu'il y a un coffre là-haut. A voir comment on arrivera à le faire descendre. Vous allez pousser mon coffre. Oui. Ah. Pompeii Pizza. La pizza de Pompeii. Très bien. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Elle est trop cuite, c'est ça? Alors oui, ici on va mettre les petits cochons. Bonjour les petits cochons, bonjour les archers. Dites bonjour aux petits cochons, les archers. Non, ils veulent pas. Merci. Donc ici on a de quoi s'amuser. Toi tu vas te calmer, merci. On va voir si lui survit. Ils sont trop proches. Il y en a un qui fait son sort, les autres... Ah bah il est revenu. Bon bah viens, viens soigner tes potes toi. Je sais pas comment t'as fait, mais... Oh, j'avais même pas vu mon voix sur leur image qui sont mal au point. Non, il reste 3 ennemis, il reste 2 ennemis. Où c'est qu'ils sont? Alors le zoom cinématographique quand j'étais en train de zoomer ailleurs. Et bien voilà, ça nous fait 2 missions à refaire. Ubifrisky, ce viking courageux, ce courageux viking, était reconnu pour défaire les héros ennemis dans un combat, dans des combats singuliers. Après cette bataille, il serait fier de faire la fête avec vous, voilà. Voilà. Après, je peux peut-être laisser les missions pas faites à 100%, ça donnera une raison de revenir et de les refaire quand le jeu sera fini et de... Alors, la vidéo, on verra, ça dépend s'il y a beaucoup de choses qui sont dans... qui sont différentes. 300
Orso. La défense. Imperator, mais donc l'empereur doit défendre ce fin passage dans la gorge de Thanatopilae. Mais une horde de squelettes se dresse sur son chemin. Saisis le moment, le momentum, c'est l'entrain. Et utilise cette. Ce. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Coup de bouteille. À votre avantage. Je me demande ce qu'il y a pour dîner aux enfers. Oh là là. J'en perds toutes mes expressions françaises. Cher, je veux dire. Justement, on avait l'aide avec mettre le mur puis les amphores. C'est peut-être ici. Leader will deal a massive attack when their health is low, but only once. Oui, ok. Donc, on va conquérir ce camp. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, mais on va le conquérir. Alors, il y a des chemins qui vont dans la montagne pour faire genre. Là, il y a une couronne sur le coffre. Ah, peut-être qu'on conquiert en bas et puis ça nous donne le cavalier en haut. Il va nous permettre de... D'accord. Ah ouais, il faut ramener le coffre comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a 2-3 ennemis qui arrivent en bateau. Ok, très bien, je vois, je vois. On a... Si c'est des archers. Les archers on peut en mettre là et là, ça va être très bien. Donc ici. Ça en vrai je l'aime bien, mais ici c'est ça qui va nous sauver la vie. Mettre une catapulte, ça va être très bien aussi. Si, il va nous falloir quelques unités au corps à corps, mais comment on prend le... On peut mettre ça déjà. Si on enlève ça, on prendrait l'un des deux. 2, 4, 6. Autrement, on prend ça, ça, ouais. Alors ça, tu t'enlèves, je veux ça. Et à la place des flèches, je veux ça. Maintenant, le défaut, c'est que j'ai que des sorts qui coûtent cher.
Ah mais ça je l'aurai tard en fait, on s'en fout. Il me faut des amphores ou alors deux fois une lance, mais plutôt des amphores pour détruire les canons en hauteur. Je pense que là on est bon. Non, c'est l'autre bouton que je voulais voir. Et lui... super épaisse, chaude et piquante. Vous êtes sûr que vous voulez la manger? Le héros explose après m'avoir être mort. Non, je préfère qu'il entre dans une rage. Et l'impérator... c'est lui et il va soigner tout le monde. Et ça aussi. L'épée de Damoclès. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pointu au-dessus de ma tête. Les alliés proches du roi ont un boost d'attaque. Ah, c'est bien ça aussi. Hein. Boost d'attaque. Non, mais vaut mieux le soin. On va pas avoir beaucoup de... On va avoir quasiment que lui qui va être au corps à corps avec le roi. Vaut mieux qu'il puisse se faire soigner. Si jamais ça arrive jusqu'au roi. Et là on a dit... Petite chance de mettre les projectiles en feu. Ou alors plus de dégâts avec la portée. Et plus de dégâts avec la portée, ça nous redonne envie de prendre une tour quoi. Après on est peut-être pas obligé de prendre ça. On prend une tour. On prend une tour enflammée. Alors on va partir comme ça. On va mettre un mur, on va mettre une tour enflammée ici, par exemple, ou là. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sort qui augmente les dégâts sur les ennemis bloqués. Pour moi, c'est pas... Ah mais non, on en a 16. Je croyais qu'on en avait 15, je sais pas pourquoi. On en a 16. 16 scissors, ça veut dire qu'on va régulièrement être au contact. Mais les avoir en... qui font plus de dégâts, c'est pas plus mal. Non, on va rester comme ça, j'aime bien le soin. Pour le moment, le roi, tu vas rester là au cas où, s'il y a besoin. Et il n'y avait pas besoin. Alors les archers. Voilà, et toi, du coup, qu'est-ce que ça a fait? Fallait garder une unité ici. Voilà. Ce qu'on va faire plutôt, c'est... Alors c'est pas ça, c'était les mauvais. Voilà. Comme ça c'est bien. Et les scissors, voilà. Et l'empereur...
C'est bien ça. Et c'est quoi l'aide? C'est bien ça, c'est ce que j'avais lu. Alors déjà, est-ce que tu peux venir jusqu'ici? C'était quoi les autres missions? Activer le pont, tuer sans unité avec nos sorts. Alors. Oh non. Si c'est bon. Mais il ne tire pas assez d'eau. Oh. Et eux, ils tirent... Ouais. Bon alors, ça risque de durer longtemps. Ah, super le mur. Et toi, tu vas venir ici. Et vous revenez en arrière, vite. D'accord, super la catapulte. Elle est encore plus haut. L'épée de la destinée ou du destin. Ah. Ah, ça a trop tout fait exploser tout de suite. Ah, ça a explosé ici.
Ah bah j'y arriverai pas, j'ai fait trop de dégâts avec mes unités. À moins que ça compte comme dégâts et sorts, mais je ne pense pas. Où est-ce que tu vas, Carmira? C'est la victoire. William, le conquérant. Le leader ennemi est tombé sous vos follets. Ouais, je crois qu'on l'a déjà lu. Ça rappelle à ce bon... Oh, William, c'est une bonne vieille bataille. Bon, ouf. Donc on a eu celle-ci. La spire, c'est la lance de la destinée. Et vous l'avez trouvée. Donc vous pouvez dire que c'était votre destin. En quelque sorte. Les alliés proches de l'impact du projectile reçoivent un boost temporaire en vitesse d'attaque. Bon, en dégâts, en attaque. Donc c'est de là, c'est le héros peut rester un peu loin et booster les alliés en première ligne. Celui-ci, il faut protéger les gens qui sont avec le héros. Et très bien, très bien. Allez, on s'en fait une dernière. Blasphemous Maximus, conquête. Il est temps de réclamer le cirque Maximus des mains osseuses de ces barbares unholy, ces non-saints. Et voilà. Finissez-les maintenant et réclamez terre. Oui, je crois que du coup j'ai un peu tout lu. Parfait. Ouh, il y a pas mal d'ennemis. Alors on a qui? On a les archers, les légionnaires et deux scisors. Sachant que... qu'il y a trois moutons ici et un qui est tombé juste en bas. Le coffre est là. C'est salaud ça quand même. Il y a une tour ici qu'il faudra peut-être détruire, donc avoir un truc pour détruire de loin, ça serait bien. Un sort pour détruire de loin, ça serait bien. Donc on peut monter, être ici, les canarder, donc une tour ici, ça serait génial, mais il y a déjà de quoi faire. Non, il y a déjà une catapulte, on pourrait rajouter une tour. Bah voilà, ils étaient 3 voire 4, maintenant il est tout seul. Il y en a 2 qui sont là, il y en a encore un qui a disparu. Entièrement disparu. Il y en a plus de 3 alors qu'il y en avait 4 dans le coin avant. Est-ce que laisser nos archers par là, ça paraît être le bon plan quand même hein? Scissors, mince.
Je me trompe de bouton. Ça, c'est bien. Et le Centuria, elle a une zone de soins. Ou une zone de dégâts. Ou un truc de ouf. Mais zone de soins, moi je. Je reste persuadé que soigner tes soldats affecte en perd moins. Bref. Bon, on en a un paquet, mais quand même. Voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît bien. Et les sorts, on a dit oui, non, pense pas, oui. Quoi? Ah. Bonjour messieurs dames, j'ai rencontré un deuxième petit bug. Ah. On met pause, on va s'en sortir et on revient. Ah, j'ai pas une belle pause ici, j'ai que ça. Non, ça marche pas ça. J'ai pas de pause, d'accord. Et si je mets ça, est-ce que ça. Bon. Et ben. Pause et on revient. Et re. Donc on était là à peu près. J'ai. Ah mais c'est marqué là. J'ai pas changé encore. Je crois qu'on était bon. Et les sorts. Ça non. Ouais, on va prendre ça, la base. Quoique, à la place des enfants, moi j'aime bien les soldats. Voilà. Donc on a bien repris. C'est parti. Ne pas appuyer sur espace quand vous ouvrez un menu. En tout cas, en early access. Je vais essayer d'aller reporter le bug. Deux structures. Une, deux. Oui. Ouais, cette structure. Une deuxième catapulte. J'ai pas vérifié combien il y avait de. 1, 2, 3, 4, voilà, il y a 4 petits moutons tous les jours. C'est bien ça. Et en revoyant la cinématique, le temple m'a fait peur. Dommage là le flou artistique quand on est trop proche du Pia. Les avance un peu et lui il est là. Voilà. Et les archers
On dit bonjour là-dedans. Non, les archers, vous rentrez pas. Alors, est-ce que ça va les attirer? C'est surtout ça la question. Oui. À nous de nous défendre ici. Je savais pas de quel côté la catapulte allait commencer par tirer, donc. Et là, la catapulte tire. Par où ils viennent? Par là, très bien. Envoie ses lances qui soignent les combattants. C'est parfait. Bon, pendant que la tour s'amuse, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est venir ici. En espérant qu'il passe par là. Oui, très bien. C'est quoi les autres trucs? Don't lose any archer, rebuild de structure. Oui. Je sais pas en fait. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Non. Dommage. J'ai gâché un sort, mais bon. Toc toc toc. On est là. Prépare pour partir tout de suite. Hein. Plombatei. Bombage. Plutôt dans ce sens-là, hein, parce que proche des amphores là, je le sens pas. Non, c'est les archers que je veux. Me mettre là-dedans. C'était là, et toi aussi. Ok. C'est-à-dire que c'était trop proche.
qu'il fait lui avec ses... Ah, un de défendre, ok. Oh. Fallait pas rester proche en fait. Que j'espérais. Oh. Ah, j'ai perdu des archers. La décadence continue de pire en pire. Rodrigo Diaz de Vivar. Est-ce que ça sent comme la mort? Non. Ça sent comme les héros. Comme le légendaire Cid. Tu as réussi à... à gagner la victoire, même après qu'ils aient péri. Je me demande si le texte il est en rapport en fonction de comment le jeu prouve que j'ai gagné beaucoup ou pas beaucoup. Bref, il reste 3 missions, 2-3 missions. J'en vois que deux, mais... Ça, c'est à la fois perturbant, à la fois bien, je trouve. D'avoir le résumé de tout comme ça, d'un clin d'œil, enfin d'un coup d'œil, de voir que... Bon, alors c'est pas très visible, mais de voir ici me manque, ici me manque, ici me manque, etc. Ça fait... Avoir les menus comme ça, ça fait bah comme un menu de sélection du niveau. Mais à la fois, on a quand même la carte et tout, ce qui fait qu'on n'a pas cette impression-là, quoi. On a l'impression qu'on choisit où on va sur la carte de bataille. Et c'est plutôt agréable. Voilà. Bon. On avait gagné quoi déjà ici, avant que j'oublie? Ça, c'est un peu dommage qu'ils ne les remettent pas avec le point I. Et c'est pas si gênant. Vous voyez, jouer avec des fléchettes à cette époque, c'était juste un entraînement pour les guerres à venir. Les flèches donnent un petit recul aux ennemis à l'impact. Très bien ça. Ça me paraît très très bien. Et ben vous pouvez les suivre sur Twitter, Instagram, Steam, Discord, leur site et TikTok je crois. Moi je vais les suivre sur Discord parce que c'est plutôt mon genre, on va dire. Et peut-être... ou sur Steam, leur envoyer des... Comment ça s'appelle les retours que j'ai. Sur Steam, peut-être. Ou sur Discord, on va voir. Je verrai. Mais en tout cas, le jeu est plutôt bon, un peu facile, mais ça passe bien le temps. Et c'est agréable. On a une bonne ambiance. Ça, voilà. Je me répète un peu, du coup je vous dis à bientôt.